D'accord. Ouais, pas de soucis. Je vais pas faire comme Rachida Dati, faut pas sortir de conneries là. Alors attends, par contre, je viens de penser à quelque chose. Ah, celui-là? Ouais, parce que on a fait un effet son tout à l'heure. Et figure-toi. Ça, c'est bon. Tu peux le couper sinon. Mais attends, il est où le truc du son? Et figure-toi que ça a coupé l'image. Les vidéos. C'est pas très gentil. Ouais, je le fais très rapide. Ouais, parce que je vois qu'il y a encore des gens qui rentrent. Bien, merci, merci à vous tous de vous installer. C'est déjà notre dernière plénière. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que c'est passé super vite. Dernière plénière, donc, on aura à la suite une petite pause d'une demi-heure avant une dernière série d'ateliers. Et puis, avant de se quitter, un petit verre, discuter sur la terrasse du Palais Beaumont. Il fait encore beau et bon, donc n'hésitez pas. Et avant de rentrer chez soi, débriefer, bref, retrouver toutes ces idées. Alors, hier soir, on avait conclu avec l'intervention dynamique de Charlotte. Je pense qu'elle nous a tous redonné un peu de power. Cette dernière plénière, on va la conclure avec Marcel Saussé. Donc, Marcel Saussé qui va se présenter lui-même parce qu'il le fera bien mieux que moi, je ne pourrai le faire, qui travaille donc sur les problématiques de street guérilla marketing. Et bah, vous avez vu hier déjà avec Charlotte de Michel et Augustin que c'était une partie intégrante hein, de leurs travaux, et même si ce n'est pas ce qu'elle a montré le plus, parce qu'elle savait que justement Marcel, avec qui elle a l'occasion de travailler aussi, allait vous en parler très spécifiquement, presque tout de suite, presque, quand il aura fini de se rhabiller, parce que là, enfin, il s'est déshabillé en coulisses, mais il arrive. Et on aura d'ailleurs à la suite, sur la dernière session d'atelier, un atelier avec Marcel et Stéphane Canarias qui l'animera pour aller un petit peu plus loin sur ces sujets-là. Je vous laisse en compagnie de Marcel. On a une heure devant nous. À toi de jouer. Super. Bonjour. Bonjour, mesdames, messieurs. Vous allez bien ? Et les hommes ? Aussi ? Beaucoup de femmes aujourd'hui. On m'avait prévenu qu'il y avait beaucoup de femmes dans le tourisme. Qui j'ai déjà vu l'année dernière à Brive ? Levez les mains. Bonjour, vous y allez bientôt, très bien. Alors avant de commencer, je vous signale que tous mes livres sont disponibles sur Amazon, qui sont très bien et pas chers et qu'il faut les acheter. Il y a aussi la deuxième partie. Alors pourquoi je suis là aujourd'hui ? Aujourd'hui...
Je suis là pour vous parler d'un nouveau média dont vous avez tous, bien entendu, entendu parler, qui s'appelle le street marketing. Qui a beaucoup d'argent à dépenser dans de la com? Levez la main. Regardez-vous. Personne lève la main. Qui a plein de thunes? Alors Miss, très bien, tu me fileras ton numéro tout à l'heure. Toi aussi? Écoute, tout le monde a plein de thunes d'un coup. Eh ben, ça va être gay pendant une heure. Bien, merci de mettre l'ambiance. J'en vois deux, trois dans la salle qui ne m'aiment pas du tout, je vois leur regard, mais merci à vous deux. Alors, vous avez peu d'argent à dépenser dans des campagnes de communication, c'est bien cela? Oui. Merci pour les trois qui suivent. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment, avec mes recherches, avec mon entreprise LCAKPG, donc j'ai des bureaux en Californie, en France et à Dubaï, je conseille des entreprises dans le monde entier autour du street marketing. Toutes ces marques-là sont des marques que je conseille. C'est-à-dire que si vous voyez des grands noms comme LVMH, Acer ou autres qui utilisent le street marketing, vous vous doutez que derrière, il y a quelque chose d'intéressant à en tirer. Alors on va commencer par un petit quiz, puisque Ludo vous l'a pas dit, mais je suis un prof, moi, à l'origine. Je suis professeur dans une université américaine. Et j'aime bien les quiz. Alors, je vais vous demander une chose toute bête. Je vais vous demander de me dire de quelle marque il s'agit. Allez, on va commencer. Essayez de trouver la marque qui est à l'origine de cette opération. Allez-y. Non. Cadillac non plus. C'est une série télé. Yes, qui a parlé? Ah, très bien. Salut, moi. Moi, on se voit après, hein. D'accord? Très bien. Moi, c'est encore à toi de jouer. Ici, je vous ai coupé la photo. Uber encore, non? La marque Windex. Dites-moi, ça a coûté cher, ça? Ça a coûté peu d'argent. On continue. Celle-ci. La fourchette, non. C'est l'arbre, non plus. Alors, à votre avis, quelle marque? Non plus. Un restaurant qui a voulu insister sur l'origine bio de ses produits. Ici. Je vous ai coupé la photo en deux. C'est pas The Walking Dead, ça pourrait être. C'est pas Dexter. C'est pas Heinz. Bon, je vois que vous êtes en forme, parfait. Très bien. Comment? Non. Kill Bill, c'est pas un jus de fruits. Celle-ci. À Montréal, il y a quelques semaines, un type s'est baladé avec un cercueil. Yes. De quelle ville venez-vous? Très bien. Donc vous n'avez pas ce genre de problème, c'est ça? Ouais. On va regarder une petite vidéo, c'est très rapide, et on va faire un débrief dans 30 secondes. We'll be right back.
Il est bon, les boueurs, hein? Alors, les boueurs, c'est un acteur. Les boueurs, c'est quelqu'un qu'on a payé pour être là. Dites-vous bien que ce que je vais vous montrer pendant une heure, c'est comment moins dépenser, comment surprendre et comment traquer vos résultats. Car c'est très intéressant de faire du buzz pour faire du buzz. Ça fait 2 jours que vous écoutez buzz comme innovation. Super. Je suis vraiment pro-innovation, pro-marketing, donc tout roule. Mais je vais vous montrer qu'on peut faire des opérations extrêmement bon marché, extrêmement rigolotes, qui suivent et qui respectent les valeurs de votre entreprise, notamment à travers ce concept qui est le street marketing, tout en traquant des résultats. On va le voir un peu plus tard. Allez, une autre marque. Allez-y. C'est pas McDo. Burger King, non. Non, c'est canadien. Il y a quelqu'un qui vient du Canada ? Non plus. Caribou Café, ça s'invente pas. Ici. Comment ? Attendez, il y en a une très bonne là, je crois. Comment ? Dommage. Alors ? Non, ce n'est pas. C'est une ONG. C'est pas Amnesty. C'est une association qui lutte contre la prostitution, car elle considère que consommer une ou un prostitué, ben, c'est consommer de la chair humaine. That makes sense. Ici, facile, il y a la marque sur l'écran. Bravo, un de mes clients également. Ici, un autre de mes clients, tiens. Bravo, Universal Studio. Allez, on y va un instant. Combien ça a coûté, ça ? L'affiche, ok. Quoi d'autre ? Les honoraires. Oui, mes honoraires. Je te ferai un prix, mon ami. Voyons. Ici, combien ça a coûté, ça ? Sticker. Et celle-ci ? Pas de blague sur combien elle coûte. On est sur l'hôtel Beau Rivage qui a customisé un tapis d'aéroport. Je veux vous montrer en une heure, et un petit peu plus si vous venez à l'atelier que j'anime avec Stéphane de la ville de Brive, j'aimerais vous montrer pendant une heure que l'innovation dans le marketing, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de créativité. Changez votre angle de vue et vous allez voir qu'avec des idées nouvelles, vous pouvez surprendre vos consommateurs en respectant votre positionnement, en respectant votre cible, en créant le buzz et en monétisant tout en traquant des résultats. Alors, on est bon sur le petit quiz. 3 petits exemples qui nous amènent de la rue au tracking de data. Un premier exemple très populaire en Californie. Maintenant, on commence à louer des parties du corps et mettre des logos dessus. Donc, vous touchez entre 200 et 1500 dollars par mois. Vous êtes payé par des grandes entreprises. Je vous rassure, ce sont des tatouages qui sont temporaires. Ça dure 1 mois environ. Et suivant votre taux d'exposition, vous êtes payé, vous avez une grille. Moi, par exemple, en tant que professeur d'université, comme je vais donner mon cours devant 300 personnes, je suis beaucoup mieux payé si j'ai un M de McDonald's. Je serais complètement ridicule, hein, on est bien d'accord. Mais je serais beaucoup mieux payé avec le M de McDo sur mon front que si je suis un étudiant lambda. On propose aux clochards également de porter des je vous parle des États-Unis, hein, de porter des tatouages sur des parties du corps puisqu'ils ont une très forte exposition. Donc tout ce skin marketing se fait dans la rue, pas de tracking, mais en tout cas tout un ensemble qui commence à se réveiller autour de la créativité. Un autre exemple autour des ONG avec l'UNICEF qui a proposé cette très belle opération contre les mines antipersonnelles. Qu'est-ce que vous voyez ? On a tout simplement fait un sticker double face, on enlève le haut, vous marchez dessus, vous retournez le sticker, vous voyez une mine antipersonnelle, bang, tu es mort. Qu'est-ce qu'on a de bien dans cette OP ? Pourquoi elle est géniale, cette OP ? Prise de conscience, un, quoi d'autre ? Implicante, prise de conscience, on est bon. Juste un petit peu plus fort, s'il vous plaît. Effet de surprise, oui, impact. Mise en situation, ok, c'est l'implication. Pas cher, c'est très bon marché. Pardon ? Très bien. Vous savez ce qui est génial là-dedans ? C'est ce que vous êtes en train de voir là. C'est tout simplement une distribution d'autocollants. Sauf qu'on a changé le moyen
On a changé la manière de distribuer ces autocollants. Vous ne les voyez pas à l'entrée d'une boulangerie, pour faire simple. Eh bien, c'est cela qu'il faut se mettre dans le crâne. Tout a été déjà inventé à nouveau, disait Goethe. Tout a été déjà inventé, il suffit d'y repenser à nouveau, disait Goethe. C'est exactement pareil. Je vais vous montrer qu'il suffit juste de renouveler certains concepts existants. Et le dernier, c'est votre ennemi à tous. C'est pour ça que je voulais un peu le présenter. Airbnb, vous avez entendu parler de cette opération, donc on ne va pas en parler trop en détail. On est dans les Alpes, on va customiser un téléphérique, télécabine, télésiège. Il y a des pros du tourisme alpin, donc je vous laisse trouver le terme adéquat. Et on va lancer un grand jeu online. On part de la rue, du resort, de la station de ski, d'un environnement extérieur pour amener le futur prospect online et le traquer. Dernier exemple de mon petit quiz. Alors évidemment, pour parler de tout ça, une fois qu'on a vu les opérations, on se rend compte que, un, c'était dans la rue ou à l'extérieur. Deux, c'était impactant. Trois, c'était très créatif. Et enfin, c'était bon marché. Le problème, c'est que pour arriver à faire ces opérations, il faut sortir de la boîte. Vous connaissez l'expression « think out of the box » ? Oui, non, ta gueule. Juste une réaction. Hein. Donc, je répète, je vais revenir en arrière. Connaissez-vous l'expression « think out of the box » ? Hey, je sais que vous avez pris des cuites hier soir. Et je le sais, hein. J'ai pas beaucoup d'antennes, il suffit de voir vos cernes. Vous n'êtes pas les mêmes qu'hier, donc je sais ce que vous avez fait cette nuit, enfin, jusqu'à 2-3 heures du matin. Mais on va quand même se réveiller. Tiens, bah d'ailleurs, on va se réveiller. Levez-vous. Hein, levez-vous. Ah non, la danse, c'était hier. Je vous rappelle à ce sujet que je travaille avec Michel et Augustin sur leur opération de street marketing, qu'ils ont préfacé l'un de mes livres et que ce livre est en vente à l'extérieur. Super. Alors, je vais vous demander une petite chose. Il faut vous arranger comme vous voulez, je vous laisse 45 secondes, mais grosso modo, mettez-vous s'il le faut de biais. Vous, le premier rang, vous êtes très chanceux. Il vous faut, grosso modo, un mètre devant vous, un mètre d'espace. Alors, prenez de l'espace. Voilà, tournez-vous, espacez-vous bien, allez sur les allées, il n'y a pas de souci. Espacez-vous bien. Par exemple, Clems, là, tu ne pourras pas le faire. Il faut vraiment que tu aies un mètre de la tête aux pieds devant toi. C'est bien, vous êtes vraiment très en forme. Je vous assure, prenez un mètre ou ça va être le boxon. Là, par exemple, je prédis une cacophonie verbale et gestuelle. C'est bon, vous avez votre maître ? Vous n'avez pas votre maître ? Vous ne me faites pas confiance. Moi, je sais ce qui va se passer. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Prenez plus d'espace, vraiment. J'arrive ? Ouais. Ok, on est bon ? Ok. Levez les mains. Plus haut, plus haut. Dites-moi, juste une chose. Non, mais levez les mains. Vous faites vraiment tout ce qu'on vous dit. Hein. Non, allez, levez les mains, sérieusement. Alors, levez les mains. Ça va être le tweet. J'aimerais que vous touchiez avec vos mains vos orteils. Allez-y, bon courage. Je vous avais dit que ça allait être le boxon. Allez, attention, on voit ton tatouage. Allez, asseyez-vous, on va débriefer sur ça. Alors, bon, je suis content, j'ai l'unique photo de ce moment. Bien, qu'est-ce que je vous ai demandé de faire ? Je vous ai demandé, alors une connerie ou des conneries ? Des conneries, très bien. Comme toute personne qui ne sait pas ce qui va se passer, elle est agressive. Mais si on va lui expliquer,
par le dialogue et l'explication, elle va se rendre compte qu'il y a quelque chose derrière. Je vous ai demandé... Alors, on est combien dans la salle? Trop, d'accord, ok. Moi, on sera bien marré, hein, c'est bien. 582, super. Le roi du tracking. On est grosso modo 600 personnes. J'ai vu 590 personnes faire ça. Qu'est-ce que je vous ai demandé? Hey, il est fier de lui, le héros. On l'applaudit. Il vient d'un petit village. Il aime la philosophie. Qu'est-ce que je vous ai demandé déjà? Ouais. Je vous ai demandé de toucher vos orteils avec vos mains. Eh bien, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va pas faire ça. On va pas se toucher. Aujourd'hui, on va penser différemment. Ça s'appelle « Think out of the box ». Donc vous allez penser différemment aujourd'hui. Et puisqu'on pense différemment, est-ce qu'on peut tout faire avec des opérations de street marketing du moment que ça monétise? Est-ce qu'on peut par exemple utiliser des cafards ou des mouches? Eh bien c'est ce qu'on va voir. Je vous présente une première opération. Tu peux éteindre, Jackie. Je vois qu'il y a des fans. Tu as une première opération, ici, où nous partons avec un très gros handicap. Un, c'est le salon du livre. Vous savez que plus personne ne lit. Je pense que vous êtes au courant. Pardon ? Très bien, qui a parlé ? C'est Ludo ? Pas mal. T'as de la chance, tu me payes bien. Alors, deux, on est en Allemagne. Moi, j'ai un grand-père allemand, je peux vous dire que ça rigole pas tous les jours. On est sur du B2B2C. Est-ce qu'on peut faire une opération originale au Salon du Livre de Hambourg ou Francfort ? Francfort, je crois, de mémoire. On va voir. Bah, déjà, on va montrer le bon slide. Cent grosses mouches ont été prises, on leur a mis de la wax, du fil, un petit sticker pour amener sur un stand. Petite pensée pour les stagiaires qui se sont tapés le... Ouais. Alors généralement quand je suis en France, si je pose la question, avez-vous une question à ce sujet, on me sort toujours Brigitte Bardot. Donc je vous assure que les mouches n'ont pas été maltraitées et que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est qu'on peut créer le buzz avec n'importe quel média, n'importe quel support. Bravo, il y en a une qui suit. Donc, je parle d'opérations impactantes. Combien de temps ai-je, en tant que marketeur, marque, office de tourisme, restaurateur, ce que vous voulez, combien de temps ai-je dans un supermarché, dans la rue, pour capter un futur prospect? Combien? 3 secondes, c'est moins. 2 secondes, c'est moins. 1 seconde, c'est bien, mais c'est moins. 1/2 seconde, c'est moins. 1/4 seconde, c'est moins. 1/10 seconde, c'est moins. 25 secondes, t'as tout compris. Bien joué. 25 secondes, oui. Ah, je t'ai capté. Alors, nous avons combien de temps? Vous avez combien de temps? Vous avez 0,02 seconde pour capter l'attention d'un consommateur dans la rue, en supermarché, n'importe où.
Et vous savez pourquoi vous avez autant de mal à capter votre futur client, votre prospect ? Combien de marques voyez-vous par an, de manière consciente ou inconsciente ? 200 marques ? Un petit peu plus. Des millions. 350 000 pièces, ok ? Vous voyez, c'est pas une blague en plus, vous voyez 350 000 marques par an, de manière consciente ou inconsciente. Vous êtes exposé à plus de 80 000 messages publicitaires par an. Messages publicitaires que vous allez oublier dans les combien de temps ? 2 centièmes de seconde, bien ! Avec un léger décalage néanmoins. Alors, combien de temps ? En moins de 48 heures, vous oubliez plus de 90% des messages que vous avez reçus. Sauf pour un média. Lequel ? J'offre un livre dédicacé à celui qui trouve dans les 3 prochaines secondes. Non. La télé. Non. Le street marketing ? Non, toujours pas. Non. Le cinéma. Vous avez un taux de mémorisation de 75%. On y reviendra une autre fois. Alors, vous avez une crise des médias parce qu'il y a trop de pubs, parce que vous êtes saturé par la pub et parce que les gens en ont marre. 72% des 15-20 ans estiment que la publicité est lassante et énervante. Alors, on va passer par un concept qui est différent. C'est ce qu'on appelle le guérilla marketing, le marketing alternatif. C'est la maison mère du street marketing qui finira toujours par un buzz et qui consiste à mettre en scène un produit dans un environnement particulier en respectant le bénéfice du produit. Une pub pour Bic ou un accompagnement de la pub Axe. Et une fois qu'on a payé très cher pour une campagne, pour les frais d'agence, cher ami, etc., etc., l'idée du street, c'est quoi ? Et c'est là où ça va vous intéresser. Vous allez faire tomber tous vos coûts opérationnels. Et ça, je vais vous le démontrer un peu plus tard, puisqu'avec... T'es où Stéphane, d'ailleurs ? Ah ! Avec Stéphane, tout à l'heure, on va vous montrer combien a coûté son opération, combien elle a rapporté de manière mathématique, avec des chiffres, combien elle a fait de buzz, combien à la fin, Monsieur Canarias a gagné d'argent. Je parle de créativité. Ça fait 2 jours que vous entendez parler de marketing. Alors dites-moi, les nouveaux concepts marketing qu'il y a, il y a quoi ? Qu'est-ce qu'il y a comme nouveau concept marketing ? C'est bien, quoi d'autre ? Allez, un au moins. L'embouche ? Bien. Olfactif, très bien, sensoriel. C'est tout ? 2 ? Expérientiel, très bien, 1973. C'est vrai. Ah ben ça, c'était pas une blague, hein, c'est la vérité. Ce 3 concepts, ça compte pas. Depuis 30 ans, tous ces concepts marketing ont été inventés. Oui, vous voyez, si je vous parle de tout cela, il y en a pour 2 ans, pas pour 1 heure. Et nous, on va s'intéresser à un concept, celui-ci. Pourquoi ? Eh bien, parce que je vous ai dit au début que les concepts qu'on avait vus, ils étaient impactants, ils étaient créatifs, ils étaient bon marché. Or, qu'est-ce qui est créatif, impactant et bon marché ? Ce qu'on appelle le guérilla marketing. 4e livre le plus vendu de l'histoire du marketing. Ludo, il en vend plus que moi, lui. Mais il est mort. Ludo, le livre que je t'ai offert et que je t'ai dédicacé, vaudra bien plus quand tu m'auras tué. Alors, ici, le guérilla marketing, c'est tout ce qui est bon marché et créatif. Mais attendez, ce monsieur-là, Levinson, lorsqu'il sort sa théorie, vous savez ce qu'il dit ? Il dit, mais l'erreur, c'est pas de donner d'argent aux équipes marketing. Il ne faut pas leur en donner. Parce que moins on va leur en donner, plus ils vont être créatifs. Je viens de trouver votre excuse pour que vous diminuiez tous les budgets marketing de vos équipes. Car maintenant, vous avez une réflexion théorique. Alors, le guérilla marketing, bon, ça peut être dans la rue, et son fils sera le street marketing. Ça peut être n'importe quel élément du mobilier urbain, on peut être dans un centre commercial. Pour ce produit anti-puce, on a couvert le parquet, et les gens qui passent,
on a l'impression que ce sont des puces. Et vous avez des gens au quatrième étage qui prennent des photos et qui prennent des vidéos. Je parle de bon marché. Alors évidemment, vous avez peut-être vu que le bébé, ça coûtait de l'argent. Le bébé tout à l'heure, celui qui fait peur aux passants. Ça coûte de l'argent. Relativisez néanmoins. Vous savez combien on dépense dans le cinéma pour promouvoir des films? Vous connaissez les Mignons? Banana. Vous connaissez? Moi, j'ai travaillé avec Universal sur le guerrilla marketing des Mignons. OK? Je peux vous dire que là, on ne parle pas en centaines de milliers d'euros. On parle en dizaines, quelquefois en centaines de millions de dollars. Donc on est sur des budgets gigantesques. Une opération comme celle que vous avez vue, qui a fait 60 millions de vues sur YouTube, vous savez, là, le bébé qui, je ne vous ai pas montré la suite, mais après, il vomit sur les gens. Non, c'est vrai, il vomit sur les gens. Eh bien, c'est une opération extrêmement bon marché pour cette marque. 60 millions de vues. Il y a eu plus de vues sur YouTube avec la pub que le film lui-même. C'est quand même incroyable. Donc, est-ce qu'on peut faire des opérations bon marché qui coûtent 1 euro? Eh bien oui, on peut faire des opérations très bon marché. Très très bon marché. Extrêmement bon marché. Pour la lessive Ariel. Besoin d'un nouveau barbecue? Alors là, je fais juste une petite parenthèse. Si vous créez la ligne téléphonique adaptée, vous avez votre tracking là. Car vous savez exactement combien de personnes vont appeler, ont vu l'opération, vont acheter derrière. Je fais juste une parenthèse parce que le tracking, j'y viendrai un peu plus tard. Pour l'instant, on s'ouvre un peu l'esprit. Ne sautez pas carrièredemploi.com. Qui avait déjà vu cette pub? Non, personne? Oui. Alors, je vous raconte l'envers du décor de cette pub. La marque l'a refusée. Ils ont adoré, mais... Non. Ils trouvaient que c'était un peu dur après la crise économique de 2008 et les suicides qu'il y avait. Bon, j'ai gardé les droits, donc je peux la diffuser partout, mais quand même, c'est dommage. Allez, possibilité de traquer. Je vous en parlais, et après, on va voir les dimensions du guerrier marketing. Une opération qui se passe en ce moment même pour un de nos clients. La Maïf. Est-ce que quelqu'un est à la Maïf dans la salle? Super. Est-ce que quelqu'un travaille pour la Maïf dans la salle? Super. Donc, je peux en parler. Donc, c'est une opération qui se passe en ce moment en France. C'est un de mes clients. On s'occupe d'eux. Ils veulent... Est-ce qu'à votre avis, la Maïf, c'est fun? Comme ça, là, d'instinct. Non, mais ils sont bien. Ils sont sympas. Non, c'est vrai. Ils sont sympas. Qu'est-ce qu'ils veulent, la Maïf? Ils veulent une opération impactante dans la rue. Une cible 20-50, un symbole d'extra-protection, du buzz et un système de tracking. On veut savoir exactement combien ça a coûté, combien ça a rapporté. Allez, vous avez 20 secondes. Trouvez-moi l'OP génial. Papier bulle? Tu l'as vu, toi, c'est pas possible. Tu l'as vu sur Internet, toi? Oui, d'accord, ok. Ah oui, c'est vrai que quand on respire, ça s'entend. D'accord. Ludo m'avait prévenu, fais gaffe, tu... Oui, ok. Tu m'avais prévenu, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour la Maïf? En effet, on a enroulé des gens de papier bulle, on a enroulé toute la rue, c'est en ce moment, hein, ça se fait aujourd'hui. Si vous allez sur le site streetmarketing.buzz, vous aurez plus de photos. Et donc, on enroule des gens, des animateurs, qui vont distribuer du flyer un peu classique. Voulez-vous gagner un voyage à Londres? Pas de souci. Rentrez dans l'agence, vous déposez juste le petit bulletin. Comme ils ont vu des débiles en papier bulle, et je vais me mettre moi comme ça, j'illustre le débile, voilà, puisque lorsque je fais les opérations en blanc, j'aime bien être là, là c'était pour l'opération en blanc, ils ont vu un débile en papier bulle, j'ai dit tiens c'est marrant, on va rentrer dans l'agence. Et derrière, on fait signer du contrat. Je ne parle pas de vendre du coca là, je parle de vendre un contrat d'assurance. Le trafic drainé dans la cible a été multiplié par combien, à votre avis? Dans l'agence, dans les agences en France, en moyenne. Et oui, c'est bien 6, mais c'est un petit peu moins quand même. Entre 2,5 et 3, en moyenne. Avec prise de rendez-vous commercial à la clé. Pas seulement je suis venu, j'ai mis mon petit bulletin. Ça veut dire que ça marche. Et pourquoi ça marche? Parce que, un, on surprend.
2, on suit le positionnement. 3, on suit la cible. Et surtout, et ça, ça vous intéresse, maintenant, on traque. On a des KPI de partout, des indicateurs clés de performance. Le nombre, le taux de participation, le taux d'optimisation, le taux de conversion, et même après, avec la stratégie CRM, la durée de vie, le taux de réachat, etc. Donc, tout est traçable. Et ça nous amène donc au guérilla marketing. Qu'est-ce qu'on peut faire en street ? Eh bien, il y a 4 types d'opérations que vous pouvez faire. L'ambient ou le street, le stealth, le viral ou l'embouche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ces termes savants ? Eh bien, on va commencer par l'embouche. Alors, l'embouche, c'est lorsque vous parasitez un événement que vous n'avez pas créé. C'est-à-dire, vous allez... Exemple, je ne suis pas du tout invité à Pau, j'arrive, je prends une énorme affiche et je dis « votez pour moi ». Et je me casse. Comment ? Vas-y, vas-y. Bayrou. Ah, tu as quelques électeurs du Modem apparemment dans la salle. Alors c'est quoi l'embouche ? On est à Chicago, il y a la St. Patrick's Day, vous savez ce que c'est la fête irlandaise. La Michigan River est colorée en vert. Et là, il y a McDo qui installe son petit Shamrock Shake, c'est-à-dire son dernier shake qui est vert. Et on a l'impression que c'est grâce à McDo que ça s'est fait. Ou alors Abercrombie. OK. Ou alors Abercrombie et Fitch, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont payé 3 étudiants. Leur boulot, c'était de porter un t-shirt Abercrombie et de rester pendant 3 mois derrière Obama durant sa dernière campagne. Et de se faire prendre en photo avec 10 millions de personnes qui regardaient la télé, grosso modo. C'est de l'embouche marketing. Je vais payer moins cher, c'est une dimension du guérilla, et je vais faire du buzz. Première dimension. La deuxième dimension que vous connaissez, bien sûr, c'est le buzz. Je ne vais pas en parler. Donc, je vais vous parler de l'ambient. L'ambient, c'est tout ce qu'il y a en extérieur. Et on va prendre un petit exemple qui s'est passé au Brésil. Enrique, tu es là ? Il est dehors. Alors, on est à Rio de Janeiro et on va voir ce que Nivea a fait en termes d'ambient. Ambient, l'ambiance extérieure. Solaire Nivea et on offre de quoi charger son tel qui marche au solaire. Ambient marketing. Enfin, avant de parler du street, je vais vous parler d'une dernière dimension du guerrilla marketing, ça s'appelle le stealth. Alors le stealth marketing, c'est quand vous faites croire à votre consommateur, à votre prospect, à votre client, que votre pub, en fait, n'est pas de la pub. Alors l'exemple que j'aime bien prendre, pour ceux qui étaient à Brive l'année dernière, qui a son téléphone sous la main. Tiens, ça va ? Elle est parfaite. Je suis à Times Square à New York. Bonjour, vous pouvez me prendre en photo avec Times Square derrière ? Tu fais genre. Ouais, ouais. Okay. Voilà, tu prends une photo, super, merci. Voilà. Non, c'est pas grave. Donc, je lui ai donné mon téléphone, je m'en vais, merci beaucoup, etc. Ça, c'est une véritable opération qui s'est faite, il fait bien meilleur ici, parce que sur scène, il fait très chaud. C'est une véritable opération qui a été faite par Sony Ericsson. Ils ont payé des gens, ils sont allés voir une cible prédéfinie et ils devaient se faire prendre en photo, c'est-à-dire faire toucher le produit. À un moment donné, faire l'argumentaire produit, genre il y a 12 millions de pixels, blablabla, et s'en aller. Stealth marketing, je fais croire aux consommateurs que ce n'est pas de la publicité. Exactement, inventé par Kai Kati et Kai Kati. Et ce stealth marketing peut se faire dans la rue, comme le street. Et vous avez deux autres exemples qui sont assez sympas.
Alors, une, je suis pas vraiment dans le tourisme, mais il y a un système de tracking, donc j'aime bien. Nice Road, c'est une application niçoise, donc ça vient de Nice, et c'était censé, au départ, être le concurrent d'Uber, et ils sont restés sur un marché très local, Cannes, Nice, Monaco, etc. Et l'idée était toute simple, on a payé des jeunes filles blondes, et à, vous avez compris, pour ceux qui connaissent Elise Moon, c'est comme ça, qui allaient dans les bars le soir, qui venaient voir les mecs vers 10h30, 11h, et leur disaient, excusez-moi, j'ai plus de batterie, est-ce que je peux appeler un taxi avec votre téléphone? Vous imaginez le gros lourd en face, évidemment 80% des cas, c'est, mais je peux vous ramener peut-être? On est en France, hein? Et là, elle disait, non, non, c'est bon, vous êtes adorable, blablabla. Elle prenait le téléphone, la consigne, c'était de faire télécharger l'application Nice Road. Et un pourcentage si le type enregistrait sa carte de crédit. Stealth marketing. Et en plus, la fille disait, ah ben, t'as pas Nice Road, ben, je le télécharge. Est-ce que vous savez pourquoi il y avait que des femmes qui ont fait ça? Parce qu'on a fait une opération en blanc et les hommes se faisaient jeter à chaque fois. Ça marchait que dans le sens inverse. Ou alors, également, opération de stealth marketing pour le Lotus Bleu, une chaîne de restaurants chinois. Ça, c'est une opération que j'aime bien prendre en exemple parce qu'elle marche toujours très bien. C'est tout simplement, on avait pris 4 étudiants asiatiques dans le 13e à Paris. Et qu'est-ce qu'on leur avait fait dire? Oui, de 10h30 à 14h45, ils devaient stopper, donc les, je parle d'étudiants asiatiques, des vrais, hein, avec l'accent très fort. Très très fort. Hein. Ils devaient stopper des gens dans la rue, lambda, autour d'un restaurant, et devaient juste demander, allez, on va reprendre, c'est toi qui va répondre à la question. Bonjour, excusez-moi. Le Lotus Bleu, s'il vous plaît. Le restaurant. Okay. Ok, la seule qui connaît le Lotus Bleu du quartier, c'est elle. Ok, quelqu'un d'autre connaît le Lotus Bleu? Super. Bon, je fais plus l'accent. Hein. Salut, le restaurant chinois, le Lotus Bleu, vous connaissez? Non. Ah, vous connaissez pas? Parce que c'est le meilleur resto du quartier. Ah, c'est bon, il est là. Merci. Les ventes, enfin la fréquentation, parce qu'on ne parle pas de vente hein, pour un restaurant, la fréquentation du restaurant, le Lotus Bleu, sur les 3 jours qui ont suivi, a augmenté, la fréquentation, de 40%. Très intéressant, faites attention si vous faites ce type d'OP, à changer les mecs, car un de nos gars, le 3e jour, le 2e jour, je ne sais plus exactement, s'est fait choper par un des gars qu'il avait renseigné 2 jours avant. Et les vieux, tu n'as toujours pas trouvé le Lotus Bleu? On y va sur les différents types de street. Il y a 7 types de street marketing que vous pouvez faire. Le premier, c'est le plus simple, celui qui ne sert plus à rien, sauf si vous êtes original. Et là, j'en ai vu dans ce congrès, c'est incroyable, la distribution de flyers. Mais pourquoi vous distribuez des flyers? Vous n'avez pas remarqué que ça vous coûte juste de l'argent? Hé. Hey. Si c'est original, Ludo, il n'y a plus de piles. Il n'y a plus de piles dans le Logitech. C'est bon. C'est bon? Oui, mais c'est la fin. Non, t'inquiète, t'inquiète. C'est bon, je le fais à la main sinon. 7 types de street, donc distribution de flyers. Si, alors vous savez qu'aux États-Unis, on peut faire de la publicité quand on est dentiste, quand on est médecin, etc., quand on est avocat. On n'est pas comme en France. Tiens, filme-en juste une. Donc regardez, attends, je vais les faire patienter avec une image. Antes avant, después après, pour une clinique de chirurgie esthétique en Colombie. Je pense vraiment... Fais-moi confiance. Tout va bien. Oh, putain. Eh, on peut l'applaudir, s'il vous plaît. Applaudissez-le. Merci, Ludo. Merci d'avoir changé le Logitech pour Kensington. Donc, ici, pour un magazine de sushi, qu'on va distribuer comme ceci, Sushi Roll, ou une distribution pour un restaurant, amener du monde dans un restaurant, des fausses palourdes sur la plage, un restaurant de fruits de mer,
ou ici dans un avion, ou ici en Afrique du Sud. C'est simplement un sticker électrostatique qu'on va poser sur le pare-brise, c'est un flyer. Ou ici, EasyJet à la Défense lorsqu'il voulait conquérir une clientèle d'affaires. Ils ont jeté des avions en papier sur la foule. Les avions en papier étaient des billets d'avion. Et vous pouviez... Et vous pouviez... gagner des billets d'avion. Si je vous donne un flyer dans la rue, madame, qui a l'air ravie de coopérer. Si je vous donne un flyer dans la rue, vous allez faire quoi avec ? Vous allez l'ouvrir. Ok, je suis parti. Hein. Et là, maintenant, vous faites quoi ? Vous le refermez. Alors, madame est plus radicale à gauche. Elle, elle le jette direct. Voilà. Et puis tu fermes ta gueule en plus. Ok, ouais, pas de souci, pas de souci. Très bien. Alors, 70% des gens, lorsqu'on leur donne un flyer dans la rue, ils le jettent sans même l'avoir lu. Une opération que j'ai beaucoup appréciée et que j'avais pu étudier, c'était Orange à Londres, qui a réussi d'une semaine à l'autre à inverser ce chiffre. 70% des gens lisaient le même flyer, les mêmes personnes, ils étaient tous habillés de la même manière d'une semaine à l'autre. Comment ont-ils fait ? Ceux qui étaient l'année dernière à Brive, ils doivent s'en souvenir. Allez-y, voilà, exactement. Ils ont juste froissé le flyer avant de le donner et machinalement, elle a ouvert le flyer. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous faites du street, surtout, surtout pour la distribution de flyers, soyez innovants, sinon ça ne marche pas. Vous avez également l'animation produit. C'est la deuxième dimension du street marketing. L'animation produit, c'est quoi ? C'est quand je vais faire tester le produit en public. Comme à New York, où Virgin a montré ce que c'était que de voyager avec Virgin. Avec un banc en plein milieu d'un petit parc. Would you like a glass of champagne? Here's a menu for you. I would love a salmon fillet. For lunch and set. There's your in-flight entertainment system. I can pick anything out you want. Absolutely, sir. Marry me, Charlotte. No. Marry me. And all this. Charlotte! Charlotte! Alors, l'animation produit, c'est quand vous faites tester votre produit. Alors, il y a des stations de ski représentées dans la salle. Grosso modo, c'est vous mettez un faux stand avec de la neige artificielle et vous allez recréer un univers de neige. L'animation humaine, c'est différent. L'animation humaine, et comme disait notre Napoléon National, un bon schéma vaut mieux qu'un long discours, l'animation humaine, c'est quand vous payez, je suis désolé s'il y a des Corses, hein, c'est que lorsque vous payez quelqu'un pour vivre l'expérience produit. Et qu'est-ce que ça donne ? Je trouve que c'est une des opérations les plus intéressantes, car elle vous explique bien ce que c'est que l'animation humaine. Donc c'est un wax bar, c'est une opération qu'on va refaire à Paris. Celle que vous voyez là, elle est canadienne. On va la refaire à Paris en avril. Donc les bandes de cire, c'est le flyer. Allez, on y va. On va analyser celle-là un instant. Est-ce que... Oui, c'est dégueulasse, je suis d'accord. Est-ce que c'est créatif ? Est-ce que ça crée le buzz ? Est-ce que c'est cher ? Ok, et là, on va continuer. Est-ce qu'il y a le bénéfice produit ? Ah oui. On a l'air retweeté, celle-là. C'est, tu sais, le bénéfice... Pardon, le produit, excuse-moi. C'est un wax bar aux États-Unis et au Canada... Tu as des bars, c'est conceptuel, non, c'est très à la mode, très hipster. Tu as des bars où tu bois un verre et entre deux, tu vas te faire épiler. Voilà. Sachez que c'est aussi ridicule que de payer un café à 6 euros. Hein. Allez au Ward, un café.
Ce que je veux vous dire, c'est qu'on peut vendre tout. Tout est possible. On est d'accord. Donc, ça c'est un concept qui consiste à retirer le flyer. Lorsque vous avez un petit smiley qui est foncé, vous avez une réduction qui est plus importante. Donc là, c'était les jaunes, c'était 10 ou 15%. Là, c'était les violets foncés, qui avaient 75% ou 80% de remise. Tu prends ton flyer, tu plies le flyer en deux. Non, mais il y avait la notice. Hein. Tu plies le flyer en deux. Tu est-ce que tu vas avec le flyer? Tu vas au wax bar, c'est-à-dire à l'institut de beauté. Tu amènes ton flyer, la personne enregistre le flyer, tu as ton tracking de l'OP, du début jusqu'à la fin. Tu sais exactement qui a vu l'OP, tu sais exactement qui a acheté ou a profité du discount, tu peux, bref, tu fais du marketing, tu mesures. Faire du buzz pour faire du buzz, c'est pas du marketing, c'est un rideau de fumée. Hein. Faire du buzz qu'on peut traquer, c'est du marketing. Si vous ne pouvez pas mesurer l'impact d'une opération, c'est que vous êtes en face d'escrocs. Ouais, on va faire du buzz. Cool. Et vous devez savoir combien vous coûte l'OP, quel est votre coût contact, combien elle vous rapporte. Si vous ne pouvez pas mesurer combien ça coûte, combien ça rapporte, vous ne faites pas de tracking, vous ne pourrez jamais vous améliorer. Et en plus, encore une fois, ce n'est pas du marketing. Dans les exemples que je vous ai montrés là, il y avait plein d'opérations qu'on ne pouvait pas traquer. Customisation urbaine. Je pense que vous connaissez l'une de mes signatures, le banc KitKat. Ou ici, pour promouvoir la région de l'Utah. C'est une customisation de métro. Ou ici, je crois qu'on est en Afrique du Sud, pour montrer tout ce qu'on peut faire autour des safaris. Ou dans le modèle de la restauration, un aquarium à la place d'un abribus pour ce restaurant de poissons frais avec des vrais poissons. Ou pour le musée de la marine dans l'Alberta au Canada. Ou la Giant Stress Ball à New York qui est une boule anti-stress qui a été sponsorisée par la Jamaïque pour montrer qu'on ne se stresse pas quand on va visiter la Jamaïque. Un énorme pétard aurait fait l'affaire également. La tournée mobile, c'est lorsque vous avez l'utilisation, donc c'est la cinquième dimension du street, c'est lorsque vous avez l'utilisation de vélos, segways, camions, etc. Une opération que j'avais réalisée pour Monsieur Bricolage à l'époque. Et j'aime bien cette OP, je vais vous montrer de quoi il s'agit pour vous montrer que tous les supports sont possibles. C'est la marque Zoo York du Bronx. Ils ont pris des énormes cafards. Ils les ont, oui en effet, ils les ont customisés avec le logo ZY, donc le logo de Zoo York. Ils sont allés à Wall Street. Ils sont allés du Bronx à Wall Street. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec les cafards à votre avis? Ils ont fait quelque chose de très sympathique. Si on est du Bronx, parce que si on est de Wall Street, c'est pas terrible. Ils ont commencé par lancer les cafards. Et ensuite, ils sont allés un petit peu plus loin. Ils les ont lancés sur les gens. Alors là, vous pouvez vous dire, oui, mais alors ce que c'est pas raté comme opération, n'oubliez pas que les gens du Bronx détestent les gens de Wall Street. Donc faites de la psychologie inversée en marketing. Pour la Suisse, tout naturellement, voilà le type d'opération que l'on peut faire en tournée mobile. Il y a les actions événementielles. Alors, c'est ce qu'on appelle les flash mobs. Je vous ai trouvé quelque chose qui s'apparente au tourisme, puisque c'est dans le domaine du voyage, c'est une compagnie aérienne en Inde qui a fait un flash mob dans un aéroport. Vous voyez, c'est de l'action événementielle. Grosso modo, c'est ce que fait Facebook. Ou c'est ce que va faire le Coq à Montréal. Il va organiser un pique-nique géant. Il va demander aux gens de venir. Eux, ils vont fournir la nourriture. Ils ont réservé le parc. Et ce pique-nique va être dans l'un des parcs de Montréal. Et pour participer au pique-nique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'enregistrer en ligne. Il faut laisser son email. Et là, je commence déjà à avoir du tracking. Et le dernier type d'opération, c'est ce qu'on appelle l'animation digitale. Alors, animation digitale, vous avez, voilà, vous l'avez peut-être vu en Suisse, cette opération. Oui, vous l'avez vu? D'accord. Et qui ne l'a pas vu? Je laisse.
Willkommen im Bündnerland. Ja, guten Tag, schöne Frau. Guten Morgen. Morgen, Bro. Hallo. Hey, Allegra, es ist kurz Zeit. Ja, du. Hallo. Et donc là, il lance une invitation. Et l'invitation, ça va être le billet de train. Et voilà. Et là, j'ai mon tracking s'il doit s'enregistrer online. Donc là, on est sur de l'animation digitale. Autre type d'animation digitale, donc ça, c'est ce qu'on fait en France ou aux États-Unis. C'est le IC 360. C'est lorsque vous allez utiliser une plaque qui, par réalité augmentée, va vous permettre d'incruster des éléments du décor avec des options d'achat sur un monument historique ou un autre monument célèbre, ou encore une fois, un abribus qui vous fait faire de la réalité augmentée. Donc c'est la 7e dimension du street marketing. C'est tout ce qui est animation digitale ici pour le Wisconsin. Regardez, il s'amuse, il a l'impression qu'il est dans l'une des rivières du Wisconsin. Alors, deux case studies dont on va parler. Le premier case study, c'est... Ben, il y avait Charlotte hier. Qui a vu Charlotte hier? Qui a dansé hier? Très bien. Donc, il y avait Charlotte hier. On a fait leur première opération. Ça fait des années que je travaille avec Michel et Augustin. On a fait leur première opération de street marketing à New York le mois dernier, pour laquelle je me suis mis en scène moi aussi. Il y avait mon équipe et j'y étais. Et donc, je vous invite à ce qu'on appelle un teasing. La vidéo officielle sort dans 2 semaines. Donc, c'est la suite de Howard un café. Ça commence justement avec Starbucks. Et je vous invite à voir la vidéo qui sort dans 2 semaines dans l'atelier que j'anime avec Stéphane. Là, je viens de vous faire du drive to store. Hein. D'accord ? Et donc, l'autre case study qu'on va analyser dans l'atelier, avec Stéphane, c'est la vidéo 100% gaillarde, donc je pense que certains l'ont vue, puisque c'est une vidéo qui est agrégée, a fait plus de 160 000 vues, et c'est l'histoire d'un drive to store tout simple. Ce drive to store... On arrête tout là, on arrête tout. Regarde la gaillarde. Il a pas de moustache le monsieur là? Non. Il a pas de moustache le monsieur. Bougez pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça, c'est pas un vrai gaillard, ça. Non, ça, c'est un petit gaillard, ça. Un gaillard... Quand même. Un gaillard relégable. Un gaillard de peau. Qui est de peau dans la salle? Ah bah, personne, tiens. Bon, je peux continuer, monsieur, je vais être obligé de verbaliser, là. Ah. Ouais. Verbaliser pourquoi? Ah, non port de la moustache. Non port de la moustache? Ouais. Une gaillardisation complète, du coup. Un côté rugby à développer, également. Enfin, quand je joue à l'équipe de France samedi. Ouais, mais on parle de l'équipe de Brive. Ouais, pas de problème. On parle d'une vraie équipe de rugby. Bon, je peux y aller ou pas? Non. Je vais noter votre nom. Non. Votre nom. Marcel Saucé. Marcel Saucé. Donc, monsieur Marcel Saucé, votre prénom? Marcel. Marcel. Ok. Mais vous faites quoi, là? Numéro de téléphone. 06... (rire) 28 431 444. Ok. Une adresse mail? Oui, marcel@gmail.com. Allez, chauffe Marcel, chauffe. Et c'est quoi exactement là? Alors, hop. Voilà. Ça, c'est un PV, monsieur. Ok, et où est-ce que je dois le régler? C'est à l'office de tourisme de Brive, 100% clair. Donc voilà, il va falloir vous y rendre très rapidement. Bon, enfin, il n'y a personne qui a la moustache, là. Non. Ouais. Si, il y a une fille là devant, je vois. Ah ouais. Donc maintenant, tu te débrouilles, c'est... Ok. Donc je le paye à l'office du tourisme? Oui, je paye. Par contre, je vais aller verbaliser les gens dans la salle. Là. D'accord. Ok. Alors, pendant que je lance la vidéo, merci, on peut l'applaudir. Hein. Donc, ce qu'on a fait avec l'Office du tourisme de Brive, Brive Tourisme, c'est que la Brigade Gaillarde venait donner des contraventions dans la rue.
si vous n'étiez pas assez baraqué, donc comme moi, petit gaillard, ou si vous n'aviez pas la moustache. Donc vous imaginez la tête des gens, évidemment. Et au dos de l'amende, changez de style, redevenez gaillard, allez à la boutique. Donc on a le Drive to Store, on a le discount, on va regarder la vidéo et on va analyser ensuite avec Stéphane en détail l'opération, comment elle s'est passée et surtout le chiffre d'affaires qu'on a généré. C'était Basile qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui, qui verbalise tout le monde. Une nouvelle réglementation, en fait, il faut regaillardiser cette ville, ouais. Brive la Gaillarde. Qu'est-ce que c'est que ce ville, là ? Ah bon ? Donc vous n'étiez pas au courant de la gaillardisation de la ville. On est obligé d'arrêter... Voilà, toutes les personnes qui n'ont pas un profil gaillard. Vous recherchez un suspect ? Posez vos questions, c'est pas grave. La nouvelle directive de la ville, et le port de la moustache est obligatoire à Brive. C'est ça, oui. Non, c'est une blague. Ça va pas du tout, ce jaune, monsieur. Ouais, mais... Elle est où, la c'est moustache pas, c'est pas 100% gaillard, le jaune, comme vous ça, monsieur. Hein. Vous connaissez pas la circulaire moustache, monsieur ? Circulaire moustache. Circulaire moustache, monsieur. Vous allez pas nous mettre un PV, là ? On va vous mettre en avertissement. Ouais, on met en avertissement. Je prends juste votre nom, non. Avant que vous alliez acheter des carottes ? Non. Je ne sais votre nom, monsieur ? Je donne pas de nom, monsieur. Votre nom ? Monsieur, non. Vous avez pas de nom, monsieur ? Là, on lui met plus. Ah, alors, foutez-moi une amende, les gars. Ah, alors, on va... Moi, je vais chercher des personnes qui sont habillées comme nous. Voir si elles ont eu un PV aussi. Ah, vous voyez la personne là avec le sac, là, elle a un t-shirt 100% gaillard. Comme le rosé, mais avec un Z. D'accord. Ah, bah tiens. Mais attendez, c'est quoi on a l'air de rigoler. La moustache, vous l'avez, par contre, je crois qu'il y a un côté rugby à développer, même si vous venez du foot. On lui met 4 euros. 4 euros. C'est juste, bon voilà. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Je vais mettre juste celle de principe, rapport à la moustache. C'est à régler à la boutique 100% gaillard. On garde la suite pour l'atelier. Puisqu'on va vous passer ça en détail. Alors, pour aller plus loin, puisque l'heure tourne, c'est déjà la fin. Pour aller plus loin, quelques petits éléments. Pour ceux qui sont des fous du tracking comme moi, j'ai créé un article dans la Harvard Business Review. Celui-là, il est gratuit, c'est pas comme le livre. Que vous pouvez... Il a été publié il y a quelques mois, qui parle justement d'une start-up pour laquelle nous avons travaillé. Nous avons écrit ce case study avec deux professeurs d'Harvard. Je vous invite à le consulter, vous tapez Saucé Harvard sur Google et vous allez sur le site d'Harvard, vous avez le case study. Donc ça c'est pour aller un petit peu plus loin. Également, tous les extraits que vous avez vus proviennent du blog streetandmarketing.com. Et si vous voulez aller bien sûr plus loin, alors j'ai écrit plusieurs bouquins. Celui-ci, c'est celui qui a été préfacé par Michel Augustin. Et c'est celui où je parle des opérations qu'on a fait avec Michel Augustin. Je pensais que c'était une bonne transition, vu que Charlotte est venue hier. Donc vous pourrez le consulter tout à l'heure. Je fais une petite séance de dédicace avant l'atelier avec Stéphane. Et sur le petit flyer que vous avez là, la petite contravention, on a rajouté une petite adresse URL. Je vous invite à aller la voir. C'est un petit jeu online. Il y a trois questions. Et si vous gagnez, bah vous avez trois prix. 2 heures de consulting gratuit avec quelqu'un de mon équipe. Deuxième prix, une bouteille de champagne et un livre dédicacé. Et le troisième prix, je ne sais plus du tout ce que c'est, donc je vous invite à aller voir online. Comment ? Qu'est-ce que c'est ? Un beau polo 100% gaillard. Pourtant, c'était le plus intéressant. Je ne sais pas pourquoi je l'ai oublié. Donc, je vous invite à voir cela. Comment ? Brigadier chef ? Alors, juste une chose, brigadier chef, pour la prochaine fois, tu prends les bonnes souches, hein, d'accord ? D'accord, ok. Et où sont les... Bon, vous avez de quoi noter ? C'est bon, ça a été distribué ? Ah, oh, bah, c'est bon. Bah, qui c'est qui râle, alors ? Bah, ils l'ont pas, voilà. On va t'en donner, t'inquiète pas. Super. Après, vous connaissez l'école Michel Augustin. Vous pouvez prendre une petite photo. @MarcelSaucé, @StreetMarketing, si vous pouvez le faire. Et on va sélectionner le tweet qui aurait été le plus innovant. Et idem, un cadeau à gagner. Là, c'est le triptyque, la bouteille de champ, le polo et également 2 heures de consulting. Donc, si vous voulez prendre une photo et faire un petit tweet un peu sympa, allez-y. Vous pouvez le faire maintenant. Il n'y a aucun problème. Je vous remercie et puis je vous attends à l'atelier. On va rentrer un peu plus dans le détail. Merci à vous. Merci Marcel. Merci à toi. C'était chouette. Merci de m'inviter à Pau.
La dernière fois que je suis venu à Pau, c'était il y a 11 ans, donc ça me fait plaisir. Eh ben, tu vois, ça méritait de venir, c'était la 11e édition. Exactement. Peut-être juste 3-4 questions ? Ouais. Est-ce qu'il y a 2-3 questions dans la salle ? Comment ? En rapport avec la présentation, bien sûr, les questions. Ça fait 18 ans que je suis dans le business. Voilà un âge que je peux officialiser. Pour le reste, je t'invite à prendre un café. Et comme j'ai vu que... Mais c'est toi qui as embrassé hier le type de Chartres. Où est-ce qu'il est ? Attends. Eh ouais, c'est toi ! Tu vois ? J'ai même dit au bout d'un moment, bon, je vous laisse parce que je tiens la chandelle. C'était... Ouais, c'est toi. Ah, petite coquine. Allez, une autre question. Ouais. Monsieur qui a l'air beaucoup plus sérieux. Je vais passer un sale moment. Ok. Alors, sans rentrer dans les détails, deux articles que tu peux lire que j'ai écrits dans la revue Décision Marketing. Alors, il parle de la juridiction, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Dans Décision Marketing, dans Journal of Marketing Communications, l'un en français, l'autre en anglais, sur les limites juridiques du droit américain et du droit français. Grosso modo, tu peux faire un peu ce que tu veux, il suffit de demander l'autorisation. Aux États-Unis, à New York, tu as tous les droits. À Los Angeles, tu as 5 permis. Tu as la ville, l'État, le comté, le permis fédéral et tu as un permis également pour filmer. C'est très compliqué parce que tu sais, tout le monde filme à Hollywood. Okay ? Après, tu as des boîtes qui s'en tapent complètement des autorisations. Nike, lorsqu'ils ont customisé la Statue de la Liberté parisienne, l'agence leur a présenté le budget amende. Ils ont dit, voilà, il y avait une ligne, ben voilà, ça va être 10 000 euros d'amende, et un de nos mecs va passer 4 heures en garde à vue, donc ça coûte tant. Voilà. Et comme en France, tu fais ce que tu veux, tout le monde s'en tape, c'est vrai, en France, Greenpeace va dans les centrales nucléaires. Quand je raconte ça aux États-Unis, les mecs se disent, pardon, vous laissez... En Russie, c'est pas pareil, là, on les voit jamais ressortir, mais en France, les mecs, tu vois, Greenpeace va dans les centrales pour faire de la com, donc tu peux faire vraiment ce que tu veux. Et certaines agences, ils disent, bon, ben, qui va en tôle ce soir ? Ouais, c'est bon, j'y vais, ouais. Je te jure que je plaisante pas. Parce que lorsque j'avais écrit le livre avec un chercheur, on avait interviewé 187 mecs d'agences et d'entreprises, des interviews de 40-45 minutes, donc les mecs se détendent un peu, ils nous ont raconté des choses incroyables. Donc voilà pour la juridiction. Après, tu vois ça avec ton agence, ou le jour où tu le fais même toi de ton côté, tu peux regarder. Ok ? D'autres questions ? Oui ? Je vois pas, mais... Ah oui, bon, bonjour. En effet, je l'ai précisé un moment. Alors, ok. Ok, d'accord. Alors, comme tu l'as entendu à un moment donné, je t'ai dit que toutes les opérations que j'avais montrées n'étaient pas traçables. Les cafards, par exemple, c'est une mauvaise opération maintenant, parce qu'elle a 3 ans. Maintenant, là, j'arrive avec, pardon l'immodestie, mais avec la pointe de ce qui se fait aux États-Unis, comment on peut traquer de A à Z. Brief, par exemple, c'est du tracking. On a tout traqué de A à Z. Les cafards, le Bank KitKat, je pense, c'est mon opération la plus connue, c'est nul maintenant. T'as aucun tracking. Donc oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Très bien, on va s'arrêter pour bon. L'instant. Super. Il y aura un atelier de toute façon, je pense que tu en as bien parlé. Ouais. Il y aura aussi 4 autres ateliers en parallèle, hein, 5 autres ateliers en parallèle. Comment il s'appelle notre atelier déjà ? Notre atelier où on peut gagner des cadeaux ? Je me souviens pas, Street Marketing. Street Marketing avec Stéphane. Stéphane, tu te lèves un instant pour que tout le monde te voit aussi. Oui, voilà, on va l'animer avec Stéphane. Généralement, les gens ne le connaissent pas ici. D'accord, ok. Donc là, une petite pause jusqu'à 15h30. À 15h30, merci de vous rendre en salle d'atelier. Et puis on se retrouve tous, non pas en plénière, mais pour un café à la fin, partir... Et dédicace à la sortie, là, sur la droite, si vous voulez acheter mon livre. Je gagne 2,40€ par livre, aidez-moi à gagner ma vie. Merci, Marcel. Jean-Merderie nationale.